Alléluia. Vous savez, malgré tout, le Père, le pasteur, que vous êtes occupé de tout le Père, que vous êtes venu. Parce que depuis là où deux ou trois sont venus à mon nom, le Seigneur dit, je suis prêté au milieu de vous. Amen. L'autorité pour posséder son territoire, pour posséder la terre. C'est très important. L'autorité pour posséder la terre. On a dit quelques tests ici. Parce que mon message aujourd'hui va s'articuler autour de cela. Comment faire pour que nous puissions bouger? Qu'est-ce qu'il faut connaître réellement pour être libre, pour pouvoir toucher les gens pour le Seigneur? Et ces choses sont très importantes parce que sans cela, vous ne pouvez pas réellement aller de l'avant. Il faudra que réellement Dieu prenne complètement, non pas une moitié de la France, mais la France totalement. Gloire à Jésus. Parce que Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Alléluia. L'autorité pour posséder son territoire. Hello. Connaissez le monsieur. Hello. On va lire quelques versets ici. Voilà. Et ici, dans Luc 10, verset 18 et 19, un texte que tout le monde connaît, que j'ai pris ici, je m'en mis à cœur de preuve, tout le monde connaît ce texte. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Écoutez avec moi, marcher. 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 Voilà. Sur les serpents et les scorpions, et sur, encore, ça veut dire encore, et sur. Tout, répète avec moi, tout, 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 et rien ne pourra vous nuire. C'est une vision prophétique du Seigneur qui prend la place. Voyez-vous, Seigneur Jésus a prononcé ses paroles avant de monter à la croix. Elle dit, je voyais Satan tomber du ciel comme quoi un éclair. Et Dieu donne cela, Jésus donne cela avant de monter à la croix. Là, donc, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la chair ennemie, et rien ne pourra vous nuire. Jésus savait que ces choses allaient prendre place bientôt. Parce qu'avant, ça avait venu, l'ennemi avait la terre. La terre était vendue à l'ennemi. La terre vendue était vendue à Satan. La terre était vendue à Satan. Satan régnait en maître absolu. Il n'y avait pas quelqu'un pour lui dire non. Il était comme sur son trône. La terre était comme sur son trône. Et personne ne pouvait lui dire, que fais-tu? Donc il régnait en maître absolu. Vous comprenez? Et lorsque Satan va faire face à face, lorsque dans Luc, lorsque Jésus va rencontrer Satan, Satan va parler. Après le jeûne du Seigneur, Jésus va rencontrer le Seigneur, Jésus va rencontrer Satan, et Satan va parler. Et lorsque Satan va parler à Jésus en lui disant qu'au fait toute la terre m'appartient, on va voir que Jésus ne va pas rentrer dans les polémiques ou les discuter. Il ne va rien dire. Voyez-vous, il dit ici, Jésus est rempli du Saint-Esprit, rêvé du journée, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il était, fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il furent éprouvés, il eut faim. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je donnerai toutes, regardez bien, c'est quoi, c'est toutes. Depuis le début de ma vie, on n'est pas que parler de tout, non. Il reste, il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est ça qui parle. Si donc tu te prosternes devant moi, est-ce là tout à toi? Alors ici, Jésus ne fait pas allusion à Jean 1, verset 1, où on dit, au commencement était la parole avec Dieu, toujours avec la parole. Non, Dieu ne va pas réclamer ici qu'il est le Père. Jésus ne va pas dire ici que non, non, c'est moi qui suis là. Non, non, non. Il ne va pas aller dans les polémiques. Il ne va même pas discuter. Regarde ce qu'il m'a dit. Jésus lui répondit, tout simplement. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, mon Dieu, et tu le serviras le seul. Donc Jésus ici n'a pas contesté
Nathan dit, non, non, c'est pas toi, c'est moi, je suis le créateur du ciel et de la terre. Non, 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 non. Il a dit, tu adoreras seulement le Seigneur, ton Dieu, et tout ce gars, lui seul. Entre lui qui tâche, c'est qu'on a lu, et le premier qu'on a lu, entre lui qui dit, quelque chose va se passer. Parce que Jésus dit, donc, va envoyer tes disciples, soit 10 qui vont partir pour aller évangéliser quand ils vont réunir. Ils vont dire au Seigneur, ils vont dire, mais écoute, les démons même sont soumis. Jésus m'a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont décrits quoi dans le ciel. Est-ce que vous voyez vous? Maintenant, il m'a dit, voici, je donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Eh bien, rien, rien, rien ne pourra vous nuire. Le mot marcher ici a son importance. Aujourd'hui, je viens insister sur le mot marcher. Que ce soit le diable veut ou il ne veut pas, se refuser à la bénédiction. Voyez-vous, ici, allons-y pas à pas. Il a dit de marcher. Il savait que Satan sera détrôné. Ce n'est qu'une question de temps. Hein, lui qui dit, non. Déjà, Jésus a commencé à changer de langage. Il sait que quelque chose va se passer. Il sait d'avance que Satan, c'est fini. Son règne, son compte sur la terre sera complètement enlevé. À cause de sa présence, à cause de ce qu'il va aller à la croix. 2015 va être pour lui une année où on doit réellement mettre le pied de Jésus sur la terre. Il fait en sorte que Jésus puisse prendre complètement justement cette terre-là. Mais comment faire justement? Comment faire? On va regarder dans les Écritures. Quel pouvoir Dieu va nous donner pour que nous puissions réellement toucher la France? Car cela est très important. L'Église doit avancer. L'Église doit aller de l'avant. Frères et sœurs, si l'Église reste sans attaquer, ce n'est pas du tout bien. Ici, Jésus a dit, je donne le pouvoir non pas de pousser le diable, ou bien d'éviter le diable, mais de marcher plutôt sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance. Donc l'Église doit être une Église offensive, non pas défensive, non pas rester, non, non, non. L'Église doit attaquer. Si on n'attaque pas, l'ennemi va réellement régner sur notre vie. L'Église, le roi de l'Église est d'attaquer. Jésus n'était pas venu sur la terre pour se défendre. Il est venu pour arracher la position, pour détourner Satan au fait que les hommes puissent avoir la possibilité, la capacité et le pouvoir d'aller de l'avant. Le mot pouvoir ici a deux sens. Dans cette version, il a dit je donne l'autorité. En grec, le mot pouvoir ici a deux sens. Le mot dynamis et exousia. Vous pouvez dire avec moi exousia. Ça a deux sens. Le pouvoir a donné. Donc, il vous donne cette possibilité, voyez-vous, de marcher. Marcher, c'est très important. On va voir pourquoi marcher. Quelle est l'importance du pied? J'ai dit que ce soir, je ne sais pas s'il veut à quelqu'un, en quittant cette salle, tu seras marqué à vie. Parce que Dieu va te bénir ce matin. Dieu dit que le mot marcher, si tu vas marcher, mais sinon pas éviter, ou écarter, ou blesser. Ou châtier, ou pousser, non, non, mais marcher dessus. Frère et soeur, très important. Tu vas marcher dessus. Alors, qu'est-ce qui nous donne la force pour avoir, qu'est-ce qui va donner la force pour pouvoir marcher dessus? Qu'est-ce qui va nous donner la force pour pouvoir réellement être libre? Voyez-vous? Parce que l'ennemi, regardez, en leadership, il dit ceci. Marx a dit en leadership, la vie, il dit life is 90% reaction and 10% action. Il dit, la vie, un grand leader a dit ceci, c'est 90% réaction et 10% action. Oh, quand on lit, quand Dieu demande de marcher dessus, et que rien ne pourra vous nuire, parce que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, la vie doit être 90% action et 10% réaction. C'est pourquoi si tu as dit de réagir, les gens parlent, c'est toi qui réagis. Et puis 10%. Non, ça passe pas comme ça. Luc 10 te permet maintenant d'agir. L'église doit être offensive. L'église doit attaquer. L'église ne doit pas rester assise. L'église doit être offensive pour attaquer. Si vous n'attaquez pas, l'ennemi va prendre le dessus, frère et soeur. Nous avons le pouvoir, frère et soeur, parce que l'ennemi a été vaincu. Regardez, lorsque la France a été envahie par l'armée de Hitler, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai que quand les alliés sont venus, tout le monde a été chassé, mais dans certains villages, il restait encore des soldats allemands qui régnaient sur les gens. Comme les gens ne l'aiment même pas la paix, ils ne savent même pas qu'ils sont libérés.
C'est un peu ça, en fait. Donc, les Allemands, ils ont pris certains bilans à droite et à gauche. Les gens sont trempés à droite et à gauche. C'est après tard, ils apprennent que, non, non, mais, ils attendent en que les gars sont partis. Ils sont libérés, là. C'est ce que c'est pas les enfants de Dieu, pas les soeurs. Dieu ne demande pas de pousser, de châtier, mais de marcher. Il dit de marcher, oh, marcher. Vous comprenez? Il dit de marcher dessus. Alors, qu'est-ce qui va nous donner ce pouvoir de marcher? Le pouvoir d'avoir le pied sur la terre. Le pouvoir de faire ce qu'on a envie de faire. Le pouvoir de vivre ce que Dieu a dit. Dans Jean 10, verset 10, le diable vient pour dérober, égorger depuis moi. Je suis venu sur le lit. Elle a dit. Pour qu'elle soit abondante. Comment on peut obtenir cela? Regardez, il y a une prophétie que Dieu lui a dit d'abord. Il faudrait que cette prophétie s'accomplisse. Et quand elle va s'accomplir, tout sera à notre disposition. Alors, où se trouve cette prophétie? Là, dans Genèse 3. Elle dit ceci. C'est Dieu qui parle. Dieu parle. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Écoutez moi très bien. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui vois blessera le taron. La prospérité de la femme, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus. Amen. C'est très important, c'est Jésus. Ça signifie quoi? Que, voyez-vous, Satan va blesser le taron de Jésus et lui, il va pouvoir écraser sa tête. Donc, prophétiquement parlant, Dieu va prophétiser, Dieu va dire cela. Et cela va se passer, c'est la raison pour laquelle Jésus a été envoyé sur la terre pour que ces deux choses s'accomplissent. One, que son talon soit blessé, c'est-à-dire qu'on rompe ses pieds, et deux, qu'on écrase sa tête. Ici, il n'est pas dit, sa tête sera blessée, ou châtiée, mais quoi? Écraser. Écraser signifie ce leadership qu'il a sur la terre, ce leadership, pouvoir qu'il a sur vous, soit écrasé. Voici pourquoi, prophétiquement parlant, Jésus dit, je donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur tout ces adjectifs indéfinis, tout est à l'intérieur, frère et soeur. Tout ce qui est écrit dans le protocole, toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Je lui savais cela, car lorsque ces pieds seront blessés, quelque chose va se faire, la tête sera écrasée. Et je vous dis, frère et soeur, les pieds ont été écrasés. Et quand les pieds ont été écrasés, l'ennemi n'aura plus de pouvoir sur votre vie. C'est ce que Jésus a fait, frère et soeur. Et quand on ne comprend pas cela, ce n'est pas qu'un problème. Hein. Tout à l'heure, suivez-moi attentivement. Même ce soir, ça va chauffer. Ça va se passer comme cela. Notre Dieu est avec nous. La main de Dieu est avec nous. Alléluia. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Satan blessera le talon de Jésus. Et Jésus va écraser la tête de Satan. Si l'Église ne comprend pas ces choses, l'Église ne pourra pas bouger vers le sol. On ne pourra jamais toucher la France. Moi seulement, les séances de nous, Africains, toujours Africains, nous Africains, non. Mais si on a compris cela, que réellement on n'est pas à l'étranger, que les pieds de Jésus sont quelque chose, on va parler aujourd'hui des pieds de Jésus. L'importance de percer le pied de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur des pieds de Jésus percés? Le fait que le pied soit percé, ça me donne quoi en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que je suis à l'étranger? Que le besoin de pied? Pourquoi le pied doit être percé? Pourquoi prophétiquement, voilà, Dieu dit, quand tes pieds seront percés, la terre de Satan sera écrasée. Vous avez la liberté maintenant. Si vous comprenez? La tête écrasée. Voyez-vous? Donc Dieu dit ces deux choses. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand on lit les évangiles, dans Matthieu, dans Marc, Luc, Jean, vous voyez que les pieds, les éléments vont être blessés. Jean, Marc 15, verset 5. C'était la troisième heure, quand ils le crucifièrent. Parce qu'ils voient que ses pieds ont été percés. Talons blessés, percés. Donc là, Satan, en le faisant, n'a même pas su que Dieu a déjà dit que, voyez-vous, le salon sera blessé et toi, tu vas écraser quoi? Sa tête. Mais il ne savait pas cela. Mais ici, ça va s'accomplir. Il va se précipiter pour crucifier le Seigneur. Oh, la crucifixion s'est terminée.
En le crucifiant, ça donne la possibilité. Voyez-vous, le fait que les pneus soient percés, ouais, c'est très, très important. Ça nous donne la victoire de l'Église. Donc la victoire de l'Église, la victoire des enfants de Dieu repose dans les pieds de Jésus percé. Parce que Dieu même a dit, écoutez, quand les pieds seront percés, quand on sera blessé, tu vas écraser donc sa tête. Donc Dieu nous donne la liberté. Dieu nous donne la possibilité d'avoir les pieds sur terre. Parce que les pieds, notre liberté va être rachetée par le sang de Jésus. Ces pieds qui ont été percés à la croix. C'est très important. Et quand les pieds de Jésus sont percés à la croix, et que toute la terre appartient au Seigneur, ça te donne la possibilité d'aller où tu veux, comme tu veux, partout, sans être reconnu, parce que les pieds de Jésus percés ont déjà racheté ta position sur terre. C'est pourquoi l'Église doit bouger. Car Dieu nous a rachetés, Dieu nous a libérés. Alléluia. Quelles que soient les oppositions, les attaques, les troubles qui peuvent venir sur ta vie, comprends une chose, c'est que les pieds de Jésus ont été percés pour que tu puisses recevoir ta liberté. Voici que tu n'es pas à l'étranger. Beaucoup de gens disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Il a dit ici, dans Josué 1, verset 8, il dit tout. On dit, vous allez voir avec moi, tout est tout aujourd'hui, non? Est-ce que vous comprenez? C'est très important, vous devez sur le sang. Il dit tout lieu que vous aurez la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Frères et sœurs, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas les pieds percés du Seigneur Jésus Christ. On était à Houston et les gens partaient parce que quelqu'un était, on doit déporter quelqu'un. Donc au téléphone, la personne m'appelle. Donc j'ai pris et dit, mais donc j'ai pris pour la personne au Texas. Je prie. Et puis, mais, écoute, on va demander à la personne dans la semaine, dit, mais c'est pas grave. Son pied, les pieds de Jésus ont été percés. La personne a le droit de séjour ici. Parce que Jésus est en lui. Il dit, mais what do you say? Il dit, je ne peux pas comprendre. Et donc le lendemain matin, la paix dit, mais écoute, plus tu pries, plus les choses s'aggravent parce qu'on a amené le monsieur maintenant à la prison qui est à côté de l'aéroport. On va le débarquer maintenant pour aller au Nigeria maintenant. Donc plus tu as prié. J'ai dit non, mais tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit que les pieds de Jésus ont été percés. Et que prophétiquement parlant, Dieu a dit que, voyez-vous, que les pieds de Jésus seront percés et la tête de Satan sera écrasée. Il n'est pas parlé de blesser, mais écraser. Quand c'est écrasé, la personne n'a plus de force. Le leadership est complètement tombé. Est-ce que vous comprenez? Elle me dit, mais tout ça, c'est des. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que les pieds. Qu'est-ce que les pieds percés ont à voir avec quelqu'un qui est à la prison, à côté, qui doit être déporté? Qu'est-ce que les pieds de Jésus ont à voir avec ça? Peut-être, si tu ne sais pas vraiment l'importance des pieds de Jésus percés, frère et soeur, tu as passé 2015 la même manière que 2014. Mais si tu comprends aujourd'hui les pieds percés de Jésus, quand tu vas t'élever et sortir, qu'il pleuve, qu'il neige, 2015 ne va pas ressembler à 2014. Parce que la puissance de Dieu, vous savez quoi? La gloire de Dieu va te toucher. Les pieds ont été percés, frère et soeur. Ce n'est pas n'importe quel pied qui a été percé. Mais c'est le pied de celui qui n'a ni commencement, qui n'a ni vers Jésus de Nazareth. Les pieds percés. Et alors, j'appelle. Maintenant, ce n'est plus. What do you say? C'est des sanglots. Hein? Comment ça? Il dit, mais l'avion est arrêté. Il dit, mais c'est pas. Il me faut de monter. Il dit, mais où est ton problème? Les pieds ont été percés. Elle veut me sauter. Elle voulait me sauter. Elle dit, mais you are, tu es, je suis qu'elle a dit crazy. J'étais sûr qu'elle a dit crazy. Mais elle avait peur, comme je suis pasteur. Elle dit, you are, et puis elle a dit, you are, et puis elle dit, you don't understand, tu comprends. Elle dit, moi je comprends. Elle dit, I understand, je comprends. On te dit que la personne attend de monter de l'avion.
On les a appelés, la vie a arrêté. Elle est sur la passée, la tête de Paris, il ne sait pas, son pied de Jésus a été percé, non. C'est l'essentiel. Elle ne peut pas croire. Elle a commencé à pleurer. Par son frère, ça s'en va. Ils sont montés dans l'avion. Quand il est monté dans l'avion, il rentre. Attention, la place dans laquelle il devait s'asseoir a été attribuée à deux personnes. L'autre était déjà dans l'avion déjà. Et alors, elle est venue, il m'appelle. Je lui dis, c'est quoi encore? What is it? What's that? Il dit non, qu'il est parti, en fait, la place a été occupée. Donc on dit, c'est demain. Il dit non, non, non. Le docteur de Jésus a été percé. Actuellement, il m'appelle, elle est venue, il n'est plus parti. C'est un grand homme d'affaires au Texas. Alléluia! Les pieds percés. Si tu veux dans le sang, tu ne veux pas rester comme ça, ici aux États-Unis, ici en France, rester là où tu es. Non, je n'arrive pas à comprendre. Non, tu vas à comprendre maintenant. J'ai vu des hommes d'affaires africains qui sont ici. Tout le monde est sous-traitant. C'est beau. Sous-traitant, ça c'est temporairement que tu peux sous-traitant. Tu n'as pas continué comme cela, frère et soeur. Non, 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 non. C'est temporairement que tu as sous-traitant, frère et soeur. Mais tu dois 1 million, des milliards, c'est pas grave. Jésus peut faire le miracle. C'est bien, il est bien percé. C'est très important. C'est temporairement. Voici pourquoi, quand Satan, quand Jésus a jeûné, quand Jésus a été fait, Satan l'a vu, il a dit, mais je donne à qui je veux. Jésus a répondu, temporairement. Il a aussi écrit, tu vas adorer le Seigneur. Ah, lui qui 4, lui 10, maintenant il rédit encore, il vient encore, il dit, je donne le pouvoir maintenant. Tu ce monsieur qui vient de dire que tout appartient à lui. Il dit, je vous dis, il dit au disciple, le monsieur que j'ai raconté en Luc 4 là, il m'a dit que tout appartient, tout cela, c'est pas grave. Julien, je n'ai pas répondu, je n'ai pas discuté. Julien dit ceci. J'ai seulement adoré ton Dieu. Mais dans Luc 10, il dit, les choses ont changé. C'est pourquoi si temporairement. Tu es sous-traitant, c'est pas grave. Parce que quand tu es sous-traitant, ce sont plutôt tes pieds qui sont percés qui sont là-dedans. Oh, le pied de ton grand Jésus a été percé. Tu vas te libérer maintenant. Tu vas quitter la sous-traitance pour devenir membre de traiteur. Tu vas te venir maintenant pour faire le jour maintenant. Alléluia! Faut pas craindre. N'aie pas peur. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que, à travers les pieds de Jésus, dans les miracles, ça va plus aussi. Frère, Dieu se manifeste. Dieu réagit dans ta vie. Tes pieds de Jésus ont été percés. Voyez-vous, c'est très important les pieds. Allons-y rapidement pour voir en quoi les pieds ont leur importance. Très important aujourd'hui. Voyez-vous, est-ce que les pieds ont leur importance? Comment les choses, comment on peut se voir les choses avec les pieds? Quand on veut avoir l'avenir de quelqu'un, c'est les hommes d'affaires qui sont plus de nous. Si l'avenir va venir, quand on veut acquérir, quand ces personnes-là veulent recevoir quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers les pieds. Regardez ça. C'est joli. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu puisses heureuse. Elle dit, Naomi voulait assurer la guérille de Ruth. Regarde ce qui va se passer. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il va bader cette nuit. Les orgues qui sont dans l'air. Lave-toi et loue-toi. Puis, remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre quoi? Découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu dois faire. Très important les pieds. Vous comprenez? Il dit, pour assurer la venue de Ruth, il dit, tu vas découvrir, non pas non, il dit, tu vas découvrir les pieds de quelqu'un. Frère et sœur, il dit quelque chose. Ton avenir repose dans les pieds percés de Jésus, frère et sœur. Il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire que les pieds, quand tu lèves le matin, tu dois marcher. Tout ce que tu fais quand tu lèves le matin, qu'est-ce qu'on fait? Tu as sur les pieds, non? Mais si tu n'as pas de position en France ici, si tes pieds, si tu es cloué, tu n'as rien du tout. Mais sache une chose, une fois les pieds sont percés, comme Jésus dit, tout lieu que foulera tes pieds, ce n'est pas vaguement qu'on dit cela, ce n'est pas vague ce qu'on dit, tout lieu, parce que tout simplement les pieds de quelqu'un ont été déjà percés à cause de ça, c'est fort de cela que Dieu dit tout lieu, justement, voyez-vous, il dit va,
Regardez. Donc les pieds, c'est signe au fait de force. C'est signe ici, les pieds ici. Les pieds, c'est signe de propriété. Dans la culture juive, le pied est le symbole de la propriété, de la possession et de la domination. Vous comprenez? Très important. Donc, dans le jardin d'Éden, comprenez que dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu la possession de la terre. Voyez-vous? Et quand tout a été perdu, quelqu'un doit payer cela par le prix, par son pied. Quand tu perds tout, quand Adam a tout perdu, je ne dois pas les bénir. Adam, le premier Adam est venu, il a manqué le but. Qui est le deuxième Adam? Jésus. Deuxième Adam, c'est le Seigneur Jésus. Il va venir payer cela par son pied. Amen. Ouais, donc les pieds ont leur importance. Donc quand vous déposez votre pied là, ça a son importance. Si vous comprenez, ça a son importance. Quand même, monsieur, il y avait un pasteur qui voulait une voiture. Et puis, il est parti où on vend les voitures. Il y avait beaucoup de voitures qui étaient là comme cela. Et puis, ils ont mis la belle voiture là sur leur tapis rouge là. Et puis, les gens regardaient. Il a regardé jusqu'à et dit, mais waouh! Il dit, mais comment je vais avoir ça? Donc il était loin ici. Et puis, est-ce qu'il dit, mais va autour de la voiture? Il dit, mais c'est la voiture, comment je vais faire? Et puis, il s'est levé. La voiture. Alléluia! Alléluia! Are you crazy? Alléluia! Et puis, autour de la voiture, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Tu vas marcher là-bas quand tu as la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit oui, il croit perdement de tout lieu que vraiment votre pied. Donc, cela l'a compris. Tout d'un coup, il y a une femme qui dit, mais, what do you want? What do you dance? Pourquoi tu danses? La voiture, avec un chef, couleur de la voiture. C'est pas tout. C'est pas tout. Il y a donc qui veut se marier, il voit quelqu'un qui dit, personne interposée. Il regarde, est-ce qu'il est intéressé? Pas là-bas, tout le tour, un petit peu. Hello! Mais les enfants, mais comment que les pieds de Jésus étaient percés? Tu ne peux pas personne interposée. Pas sur le terrain là-bas, pieds d'un côté. Hello! On te dit que les gars sont les bâtards. On ne t'a pas demandé d'aller convoiter. C'est pas grave. Tu salues, ça va, tu tournes autour, c'est tout! J'ai appris là où la personne était. Hello! Même chose pour les hommes aussi. Ils ont donné un cravate. Bon, j'ai qui va comment? Va là-bas, c'est tout! Piétine le lieu, frère Charles. Le prix a son importance. Amen! C'est important. Et allez-y, dis avec moi. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre puisse se séparer de lui, lève les yeux et tu, d'où lieu où tu es, regarde le nord et le midi, vers l'Orient, vers l'Occident. Donc Dieu montre ici à Abraham, il faut regarder ici à droite et à gauche, ça ne suffit pas, frère et soeur. Il dit, regarde, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, la postérité aussi sera quoi? Compter, mais c'est pas tout. Donc il dit, voici tout ce qui se passe. Mais c'est pas tout. Il ne veut pas avoir cela d'abord. Verset 17. Il dit, lève-toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Parcours le pays dans la longueur. C'est-à-dire, il faut marcher dessus, il faut marcher d'abord dessus d'abord. C'est le principe de dire, il faut marcher. Hello? Hello? Il faut marcher d'abord. C'est le principe de Dieu. Dieu ne peut pas conquérir. Dans toute la Genèse de l'Apocalypse, quand les gens vont conquérir une situation, Dieu envoie des gens parler des espions. Allez marcher d'abord après les bénis. Est-ce que vous comprenez? Frère, soeur, tu n'es pas seul. Non, comme je suis venu, hein, la France est difficile, je suis venu, sinon je vais faire bénir mon frère, ma soeur. Fais bénir tout le monde. Comprends que les pieds sont déjà ici. Tu es venu comme explorateur. Dieu envoie, écoutez, c'est pas moi qui dis, Dieu envoie tous les espions devant d'abord. Dans le cas de Moïse, les 12 personnes qui étaient derrière, 12 tribus ont choisi, allez vérifier d'abord quand même, puis les d'abord. Et puis vous allez rentrer. C'est très important. Il dit à Abraham, lève-toi. Partout, ton pied n'a qu'à toucher là-bas d'abord. Dieu, il est omniscient, omnipotent,
omniprésent, il est immuable. Mais quelle idée d'envoyer des espions d'abord quelque part, puisqu'il est omniprésent, il est partout à la fois et en même temps, il est omniscient, c'est-à-dire il se connaît, il nous connaît et il connaît tout chose de manière totale, parfaite et exhaustive. Il se connaît tout seul. Mais quelle idée d'aller faire quelque part, ne priez pas être là d'abord, à cause de ça. Comprends cela, ne dis pas je suis allé trop loin, moi-même je suis là même. Sœur, champ de conversation. Frère, champ de conversation. Ça va? Ça peut aller. Ça peut aller comment? Ça va? On essaie de faire aller. Tu essaies de faire aller. Comment? Les pieds de Jésus, on était déjà percés quelque part. Donc toi, ta position n'est pas, ne soit pas à l'étroit. Je suis venu pour accompagner les autres. Tu n'accompagnes personne. Les pieds ont été percés, tu n'accompagnes personne. Redresse-toi, frère et soeur. Parce que la main de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Amen. Il dit Abraham, regarde. Il dit Abraham, regarde. Il parcourt le pays d'abord. Parcourt le pays. Va de long en large. C'est très important. Parcours. Parcours le pays d'abord. Il faut d'abord parcourir le pays avant que je te donne. Est-ce partout? C'est la même chose. L'Éternel dit à Moïse, d'abord, voici, va dans le pays là-bas. C'est la même chose. Il envoie Moïse. Ils sont plusieurs milliers. Il prend 12. Les 12 vont partir d'abord, et pour les Canaan d'abord. Et puis quand ils vont revenir, ils vont aller partir. Alors, quelle idée d'espionnage pour Dieu qui est ni commencement ni fin? Est-ce que vous comprenez? Et dans la Bible, on parle d'espions. On envoie Josué et les gens, des espions. C'est pas pour aller. Non, non, non. C'est pour que tes pieds n'ont qu'à toucher d'abord l'endroit d'abord. Frère et soeur, tu n'es pas à l'étroit. Et quand tu ne comprends pas, la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Dieu n'agit pas quand tu es ignorant, justement. Dieu ne dit pas mon peuple périt parce qu'il y a les démons. Mon peuple périt parce qu'il y a Satan. Non, non, non. Mon peuple périt par faute de connaissance. C'est pourquoi Osée 4, 6. Tout le monde connaît Osée 4, 6. Mais ce qu'il faut connaître plutôt, c'est Osée 6, 6. Il dit, j'aime la piété. Ouais, mais la connaissance de Dieu mieux que les sacrifices. Osée 6, 6. Il dit, connais Dieu d'abord. C'est très important. Il a ses principes. Le prix a son importance. C'est pourquoi tu vas piétiner. Il y a des gars qui disent, où tu veux travailler? Ah non, hein, j'ai envie de travailler dans telle société. Mais c'est tellement, j'ai fait mon application. Attends. Tu vas, est-ce que tu veux passer là-bas? Allez là-bas. Non, hein, je n'ai pas. J'ai envoyé des lettres. Va là-bas. Va piétiner le coin. Dis à ce Seigneur, je piétine ce coin. Il faut croire ce que tu dis, frère et soeur. C'est pas le mais il faut croire. Ce n'est pas une information, c'est une révélation. Non, moi-même, je ne sais pas quoi. Mais moi, là, je suis là. Je n'ai pas de maison, tu as habité de maison. Moi, je n'ai pas là-bas. Va visiter, mets ton pied là-bas. En allant, tu as en tête ici. Il faut avaler, soit possédé du fait que Jésus a payé le prix par son pied. Que ça soit en toi, on ne peut pas t'enlever ça. Il t'a acquis une position sur la terre par ses pieds percés. On ne peut pas. C'est pourquoi quand tu vas avec force, avec puissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez vigilants. Soyez forts. Foncez. Il faudra que cette année, nous soyons au moins 20 mariages ici. Beaucoup de mariages. Amen. Amen. Il dit non, oui, on dit, c'est moi, c'est blanc, c'est qui les blancs, les jaunes, tout le tout, c'est tout. Il fait bien les jaunes, tout le tout, les noirs, tout le tout. Où est ton problème? Amen. Hello? Amen. Où est ton problème? Vous trouvez le problème? Là-bas derrière, je vais planter quelque chose ici. Je suis venu ici, et puis là, on m'a donné une année. Et j'ai demandé un visa d'une année. On me donne. Et puis comme les gens appellent à droite et à gauche, le visa est périmé une année là. On m'a donné d'aller renouveler. Le papier, on m'a dit qu'après le 6 décembre 2014 là, je regarde, on est déjà au 12 décembre. Oh, pour aller là-bas, il faut s'aligner jusqu'à la préfecture. Et on dit, il y a une fois quelqu'un m'a dit, je suis ici à 2h du matin, où ça? À la préfecture en train d'attendre. Aux États-Unis. Le coin tellement joli, tout le monde est assis comme ça, c'est balèze. Ici, même j'ai été à notre ambassade ici, là. C'est tellement balèze, tout le monde est assis là. Mais il dit, mon papier est périmé là. Il dit, mais il faut prendre rendez-vous. Il dit, mais c'est déjà le 6 décembre, c'est périmé. On est au 12 maintenant. Donc je vais prendre rendez-vous là, 3 mois avant qu'on me le renouvelle. Il dit, non, il dit, c'est trop compliqué le rendez-vous. Je m'en vais directement. Donc je suis parti. Je n'arrive pas à la préfecture. Non, papa.
j'étais possédé. J'étais possédé du fait que Jésus, ses pieds sont percés. J'arrive, je trouve une femme à côté. Je dis, mais madame, les papiers. Elle m'a dit, stop. Elle m'a dit, arrête. Il dit, mais c'est quoi? Prends un ticket. Elle m'a dit, oh, le soir là, ils ont déjà pris les tickets, on ne prend plus les tickets là, le soir. Il dit, mais prends un ticket. Mais c'est ça, mais c'est ça, c'est ça. Elle a commencé à parler. Donc mon père dit, tu sais pas à qui tu as affaire. Tu sais pas à qui tu as affaire. Alors, on a dit, mais j'ai dit, je fais quoi? Le Saint-Esprit me dit, parle-lui en anglais. C'est pas compliqué encore. Quelqu'un qui d'abord, il me dit, le ticket, en anglais, il dit, please, can you help me? Et puis, elle dit, please, can you help me? Please, I forget. J'ai oublié la date, quoi. Please, can you help me? Please, 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 please. Elle dit, please, can you help me? Et puis, contre toute attente, sa patronne sort. Elle dit, mais qui parle joli anglais comme ça là? Et puis, elle me fait bien. Quand je parle, elle dit, please, help me. Et puis, la patronne traduit, il dit, il faut l'aider, il te demande pardon. Elle dit, I forget. Et puis, la patronne traduit, il dit qu'il a oublié. Et puis, la patronne maintenant, elle dit, douce. Elle dit, bon, demande tes papiers. Mais c'est déjà dépassé. Il dit, mais je fais comment? Please. Elle dit, tu demandes des photos, on va te poser pendant 3 mois avant qu'on ne fasse les papiers. Il dit, mais pourquoi on prend les photos? Il dit, tu serais pas, il dit, moi, je suis même pas aussi. Elle dit, voici le bain, on dit photomaton, je suis parti. J'ai pris les photos, photomaton, là, j'ai pris les 6. Je suis venu. Les gens me regardaient comme ça, à droite, à gauche, sans ticket. Je suis venu, je lui ai donné, et puis bon, les papiers sont là, elle m'a donné mes papiers là. Bon, je suis venu, j'ai pris le truc. Elle dit, bon, en fait, 3 mois, fin mars, vraiment, les papiers vont venir, on va te poser pendant. Une année. Je vais là, il y a certains qui je dis goodbye, bye bye. Hello! Non, hey! Frère, les pieds de Jésus ont été percés par le soir. Il n'y a pas n'importe qui. Écoutez, si ce soir, et d'après discuter par le soir, ça marche. Je dis ne mens pas. Quand les pieds ont été percés, tu es libéré. Jésus est notre seul source. Notre pouvoir, c'est Jésus. Dans les pieds de Jésus, on est libéré. Dans ses pieds, on a la victoire. Dans ses pieds, on a tout. Dans ses pieds, on a tout. Les pieds de Jésus. Ne dis pas non. Tu n'es pas le toi. Tu n'es pas l'étranger. Tu es chez toi. Les pieds ont été percés. Ce n'est pas avec de l'argent, mais ton sang a coulé à travers ses pieds, frères et sœurs. Que tu aies la liberté. Alléluia. Dieu est merveilleux, Dieu est amour, Dieu est compatissant. Amen. C'est lui qui agit et c'est lui qui bénit. Alléluia. Voilà. Dans le cas de Jésus également, c'est la même chose. Rahab. La même chose. Jéricho. Dieu dit, envoie les espions. Ils vont partir. Il dit, piétinez. Quand ils vont partir, quelqu'un, un endroit qui va être détruit par Dieu lui-même. Il demande d'aller d'abord ce qu'il fait là-bas. Est-ce que vous voyez, frère et soeur, après ce message, que 2015 soit pour toi une année de révolte, de force, construire des puissances de la part de Dieu. Ne dis pas qui me regarde ici. Je suis non. Même si tu es seul sur toi à la maison, ce n'est pas grave. Dieu peut accomplir le miracle. Dieu peut agir. Alléluia. Tu es homme d'affaires. Si l'ennemi a voulu déménager à votre, ce n'est pas grave. La première fois, Jésus a dit. Il est aussi écrit. Et tu m'appartiens, d'accord. Tu n'as qu'à t'appartenir. Il est aussi écrit. C'est Dieu que tu vas adorer. Luc 10, les choses ont changé. Hein? Et là, Luc 4, Jésus dit, il est aussi écrit. Luc 10, les choses ont changé. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Entre Luc 4 et Luc 10, qu'est-ce qui s'est passé? Si Satan, dans Luc 4, tu as répondu tout gentiment, tu es sous-traité. Luc 10 est différent. C'est toi qui traites maintenant avec des choses. Alléluia. Les choses ont bougé. Prends cela par la foi. Abandonne ça. Sois possédé par les pieds de Jésus percé. C'est notre force. C'est ta puissance. Tout résiste. C'est qu'à travers ses pieds, il a tout payé pour toi. Tu te lèves le matin, tu dois marcher. Tout ce que tu fais, il faut que tu marches. Les pieds, ça t'envoie partout. Et quelqu'un a payé le prix pour que parte. N'importe quoi. Tu peux partir partout car la terre appartient à Dieu. Ce sont les hommes qui ont divisé. Ils viennent, voilà, ils vont chez nous, ils prennent tout. On ne peut pas venir chez eux, ils vont le voir. Chez nous, il n'y a pas de loi là-bas. Il n'y a pas de loi. Ça va prendre. Donc, créer tout leur loi. Toi, ta loi, c'est une seule loi. Les pieds percés. Quand
quand les cœurs sont percés, Dieu peut briser les cœurs. Tout est crié pour toi. Amen. Car la Bible dit Dieu écrit le cœur d'un roi comme un courant d'eau. Le cœur fait tout leur loi. Mais toi, quand tu agis, c'est Dieu qui écrit le cœur comme un courant d'eau là. Il n'est pas dans les montagnes, ni dans ton sac, mais dans ton cœur. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Celui qui a créé le ciel, la terre est en moi. Le Seigneur m'a dit de parler envers la femme. Il plaise, elle. Il dit plaise, elle. Quelqu'un dit traduit maintenant. Le papier dans ma poche, je dis hello. Voilà. On ne force pas. On agit avec les pieds de Jésus. Toutes vos expériences, basez tout ce que vous avez expérience sur la croix. Car c'est la croix qui vous délivre. C'est la croix qui donne tout. C'est la croix qui vous délivre tout. Votre passeport, c'est à travers la croix, frère et soeur. Et puis, on ne peut pas vous arrêter. Quand un homme comprend la croix, on ne peut plus l'arrêter. C'est dangereux dans la ville. Quand vous comprenez la signification de la croix de Jésus, c'est dangereux. Dangereux. C'est tout a été payé. Alléluia. On a fini. On va tout à l'heure prier. Voilà. Regardez ici. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, disent avec moi, le Seigneur de quoi? De toute la terre. Dans les eaux du Jourdain, on poseront la plante des pieds. Les eaux du Jourdain seront quoi? Coupées. Ils transportaient l'arche. Et quand vous allez arriver là, mais les yeux sur le Seigneur de toute la terre. Si le Dieu qui est dans ta poitrine est Seigneur de toute la terre, ils n'ont qu'à faire division. Des cantons, ça dit que papier, non, c'est chez moi. Ils n'ont qu'à faire toute leur loi. Tu sais une chose, celui qui est dans ton cœur est Seigneur de toute la terre. J'aime le mot tout haut. J'aime ce mot-là. Toute la terre. Voilà. Toute la terre. Quand ils ont mis leurs pieds, quand ils ont posé leurs pieds, c'est fini. David, psaume de David, parole de l'Éternel Dieu à mon Seigneur Jésus, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse des ennemis quoi, d'un marche-pied. D'un marche-pied. Alors, ce qu'on appelle marche-pied, en amène, c'est un faux chose. Alors, comment on peut appeler, pourquoi on appelle marche-pied? De l'ancien temps, quand les rois s'en vont en guerre, s'ils battent au moins 3 rois ou 6 rois, on coupe leur tête. On met dans une caisse, on met le poussé dessus, et le roi qui est vainqueur pose au fait ses pieds dessus. Est-ce que vous comprenez? Il est vaincu là. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait dans Colossiens 2.15. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Est-ce que vous voyez-vous? Et les a publiquement livrés en spectacle. Ça signifie quoi? Que quand nous sommes, Jésus a détruit Satan. Et maintenant, Jésus étant en nous. Il dit, puisque je suis en vous, donne le pouvoir de marcher sur les têtes que j'ai coupées là. Ça vous comprenez? Marcher sur le scorpion, sur ce qu'on a dit que je suis en vous et on marche dessus. Parce que celui qui vous crée des problèmes, celui qui a fait que tu n'as pas de position ici, que tu as droite ici, à telle maison, il a déjà payé le prix pour que maintenant tu puisses avoir maintenant une position. Sois rassuré sur le matin. Sois rassuré. Et crois. Crois à la croix. Crois à ce que Jésus a fait à la croix. Les pieds ont été percés pour toi. Alléluia. Amen. Voilà. On va prier. Quand Jésus, il est mort, il est ressuscité, il est parti. On dit en enfer. Il a tout accompli, soit en bas ou en haut. Il a tout accompli. On va prier ce soir. En 5 minutes. Un petit ministère. Où aujourd'hui tu vas demander à Dieu de revenir. Ta vie, après cette prière, elle ne doit plus comme. Non, ça ne doit plus être comme avant. Les pieds ont été percés. Les pieds ont été quoi? Percés. Après, dernier, je vais planter une cassette ici, on est dans un village, là, vous avez vu, non? Voilà, pour ceux qui étaient ici, il y a peut-être une cassette où on ne peut pas construire le village. Je dis, j'arrive. J'ai dit, pour vous, comment que je mette mon pied là-bas, je fais l'atmosphère au fait. C'est très important. Frères, sœurs, saisissez cela. La croix, ce n'est pas la littérature. La croix, ce n'est pas seulement un candidat. Non. La croix, ce n'est pas la littérature. C'est une réalité. Amen. La croix, le frère Solène disait que lui, Jésus, somnolait, ou bien, il était impossible. Il y a eu la croix. S'il somnolait, quand il dit au nom de Jésus, là, vous allez voir ce qui va se passer. Si on dit que Jésus a somnolé là,
quand vous allez quelque part, au moment de Jésus, les démons vont sortir. On a vu toutes les choses. Jésus est réellement mort. C'est parce qu'il était pour le mort. Ses pieds ont été percés. Satan est réellement vaincu. Frère et soeur, c'est pourquoi on va prier. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. On va prier. Il faut que tu marches aujourd'hui. Voici pourquoi il te dit, tu donnes le pouvoir de marcher. Tu dois attaquer. L'église doit être offensive. Jésus ne te demande pas de blesser, il dit de marcher dessus. Détruis tout. Détruis. Tu es chez toi à la maison, tu ne peux pas bouger. Non, on pense que moi, comment je vais devenir? Je suis assis. Il ne faut pas te voir comme orphelin. D'ailleurs, même si tu te vois comme orphelin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean? Je vous laisserai pas quoi? Orphelin, je viendrai à vous. C'est-à-dire que toute cette situation que tu veux créer là, la réponse est dans la Bible. Tu veux te faire orphelin, alors que Dieu te dit, tu ne veux pas orphelin. Où est ton problème? Tout ce que. Des gens sont comme ça. Je suis orphelin, je n'ai rien. Dieu dit, je serai avec toi. Où est ton problème? Frère, prends cela par la foi maintenant. Si jusqu'à présent, comme le monsieur disait, mais qu'est-ce que ça a à voir? Quelqu'un qu'on veut déporter, qu'est-ce que ça a à voir avec les plus petits de Jésus? D'accord. Actuellement, tu as dit, mais mes affaires, ça ne marche pas du tout. Je vois tout le monde. Qu'est-ce que ça a à voir avec les plus petits? Tu vas voir que ça a quelque chose à voir avec les petits Jésus. Quand quelqu'un te brasse, ils t'ont tout pris. Et tu viens chez eux, ils te coincent, tu ne peux rien faire. Et tu as alors merci, ce n'est pas grave. Ça, c'est pour un moment, c'est temporaire ça. C'est pourquoi je disais à un frère qui a une maison, il dit, mais frère, le frère, quand on l'appelle pour faire les choses, il dit non, mais je vis dans un studio. Il dit, tu es en cassion. Il y a des mots sur lesquels tu ne dois pas appuyer pour appuyer dessus. On t'appelle, on dit, je vis temporairement dans un studio. Mais lui, c'est au téléphone, c'est un studio qu'on attend. Et puis, il dit, tu as vraiment un studio. Il change de langage là. Change de langage. C'est ça que je vous dis. Ça veut dire, mais les gens tombent. Gloire à Satan, non. Insister sur les mots clés. Voyez-vous. Je vis temporairement dans un studio. C'est tout. Dieu est avec nous. On va prier aujourd'hui. Regardez, aujourd'hui, qu'est-ce que je demande? Bientôt, février, mars, avril, les 11 mois qui restent là. Les 11 mois ne doivent pas être les mêmes choses. Même actuellement, pendant que je parle, quand tu vas sortir même d'ici là, que tout change. Amen. Que tout change. Même au bureau là, que tout change maintenant. Sois gonflé, sois rempli du fait que quelqu'un appelle le but par son pied. Tu as maintenant, tu peux maintenant. Tout le monde va comme ça. Tout le monde. Le pied droit. Le pied gauche. Alléluia. C'est pas d'amusement. C'est une puissance pour nous, frères et sœurs. C'est une puissance, frères et sœurs. Jésus ne parle n'importe qui, frères et sœurs. Les pieds ont été percés, frères et sœurs. Qui en prophétise? Il dit ton talon sera blessé et toi, tu vas écraser la tête. Prophétisons par la tête depuis longtemps. Dieu a déclaré. Et Jésus est venu à comme cela. Pour que tu puisses avoir ta position des pieds sur cette terre-là. Mets la prière pour moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que je suis. Viens à moi, je viens à toi, Seigneur. Ton Père a déclaré que ton talent, que tes pieds seront percés, et tu vas écraser la tête de l'ennemi. Ça pourquoi? Tu as dit, tu me donnes le pouvoir de marcher au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as racheté. Tu as payé par ton sang ta position sur terre. Que ton nom soit béni. Seigneur, je viens à toi ce matin. Je déclare. Je décrète. Je déclare. Je décrète. Voici mes besoins. Dans le nom de Jésus, je prends possession de mes besoins. Remplis-moi de force pour évangéliser, pour gagner la France. Au nom de Jésus, Seigneur, mes besoins, les voici. Prions-moi ensemble, prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble. Déclarez maintenant, dites-le Seigneur, et réclamez ces choses au nom de Jésus. Parce que c'est bien de percer. Le pied de Jésus est passé. On ne peut pas
Dieu, agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Reçois tout. Reçois tout. Reçois tout. Reçois tout. Reçois ce que tu demandes. Reçois ce que tu demandes. Seigneur, montre ta puissance. C'est un pied. Agis dans sa vie. Agis puissamment. À partir d'aujourd'hui, Seigneur. Que tu éclates, Seigneur Jésus. Que tu éclates, Seigneur Jésus. Montre ta puissance. Ta puissance. Ta puissance. Ta puissance. Ta puissance. Ta puissance. Seigneur, agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Au nom de Christ Jésus, première bénédiction. Le chiffre 1, c'est le chiffre de l'unité. Soyez un. Tout ce qui a besoin de disperser. C'est-à-dire que toi-même, tu ne comprends même pas. Tout est complètement, comme on dit en africain, tout est un ami dans ta vie. C'est-à-dire à droite, ce n'est pas ça. Tu vis au rabais. C'est-à-dire que tu vis d'une manière nostalgique. C'est-à-dire que les choses passées, avant c'était bien. Maintenant, là, tout est compliqué. Tu n'arrives pas à comprendre. Et tu es stressé. Non. Comprends les choses. C'est parce que tu n'as pas compris que les pieds ont été percés. Les pieds ont acquis une position sur la terre. La croix. Très important. Donc je vais prier pour que tu sois lié, lutté dans ta propre vie. Parce que tu es dans ton foyer, dans ta famille. Et que les tiraillements à droite et à gauche cessent à partir d'aujourd'hui. Tu es d'accord. Allez, tu es d'accord, tu es d'accord. Tu es d'accord. D'accord. Soyez libérés dans le nom de Jésus. Deux, le chiffre du témoignage. Je vais prier pour toi. Dans la loi de Moïse, quand tu as commis une erreur, il faut que deux personnes puissent intervenir avant qu'ils soient jugés. Que tu sois tous avant maintenant un témoignage réel. Tu n'as pas de témoignage. Tout est compliqué chez toi. Tu ne fais que lire les témoignages des autres. On a appris que Dieu a fait dans la vie telle personne. On a appris que non, non, non. Tu as fait tous tes propres témoignages aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que les pieds de Dieu soient percés. Comprends cela, mon frère, ma soeur. Non. J'ai appris qu'il a réussi. J'ai appris qu'il a construit une maison. J'ai appris que je n'ai pas de travail. J'ai appris que je n'ai pas de papier. Ce n'est pas grave. Si tu n'as pas toutes ces choses, ce n'est pas grave. Mais comprends aujourd'hui que quelqu'un a payé le prix à cause de ça. Tu es tout d'accord? D'accord. À partir d'aujourd'hui, soyez restreints dans le nom de Jésus. Je suis proche de la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Que cette unité-là soit aussi dans ta vie, dans tes rapports avec les autres. Que la main de Dieu soit sur toi. Tu es tout d'accord? D'accord. Soyez restreints dans le nom de Jésus. Je casse la stabilité. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Et que cette stabilité soit dans ta vie. Tu vas à droite, tu vas à gauche. On a encore l'impression que depuis que tu es venu, alors que tu es venu pour faire la voix aux autres, Dieu dit envoie les espions. Et puis, bien prendre la suite pour aller. C'est comme ça que Dieu fait toujours. Pour devenir Canaan, il envoie d'abord les 12 espions. Et puis après, il vient prendre la vie, prenez les autres. Allez-y. Dieu t'a envoyé ici. Ne dis pas que tu es venu par erreur. Les autres peuvent construire sur toi. Tout le monde construit toi. Et toi qui es ici, tu penses que non, tu n'as pas réussi. Tu es toujours là. Tu es le perpétuel du commencement. Ça sera pour le perpétuel du commencement. Les pieds ont été percés. Le miracle existe. Car le Dieu que tu sers, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Le Dieu que tu sers, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est pourquoi, dans le quatrième, que ta stabilité soit totale à partir d'aujourd'hui. D'accord? Puisque tu le désires, reçois cela dans le nom de Jésus. Le chiffre 5, c'est la grâce. Partout où tu passes là. Et maintenant, puisque tout était bloqué, que Dieu dit que Dieu ouvre le cœur des rois, écrit le cœur comme des courants d'eau. Là où tout a été fermé, là, où tu es passé, c'est fermé ici.
les papiers permis, ici permis, travail permis, affaires permis, que toute la grâce de Dieu soit sur toi. Quand la faveur de Dieu est là, rien ne peut te résister. C'est pourquoi je prie pour que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu es tous, est-ce que tu es d'accord? Cette grâce exceptionnelle de Jésus avec ses pieds percés soit sur toi dans le nom de Jésus. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Qu'est ici en face là, tu n'es pas d'affaire, justice ou palabre, impôt, on t'envoie à droite, on t'envoie à gauche, que toutes ces choses-là cessent et que la main de Dieu soit sur ta vie parce qu'il a payé le prix pour toi. Dieu déjà t'exploite et en même temps il met des lois sur toi, toutes ces choses-là, que la main de Dieu soit sur toi. D'accord. D'accord. Soyez libérés dans le nom de Jésus. Le chiffre 7, le chiffre de l'accomplissement. 2015 là, que ça ne ressemble pas au 2009, 2010, 2014. Non, que cette année ne ressemble pas à d'autres années. Mais la 2015 là, soit une année où tu peux évangéliser, miracle, guérison, pour l'église. Et puis ensuite, toi, que tu puisses avoir, tu ne peux pas marier, mariage, possession, affaire, travail, papier. Que ça complète tout, d'accord. D'accord. Recevez ce que votre cœur désire dans le nom de Jésus. Le chiffre 8, c'est le chiffre des new beginning, nouveau commencement. Que maintenant, en quittant aujourd'hui dans cette salle-là, que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Amen. Et en quittant ici, là, que tout ce que tu as dit, ça là, ça ne marche pas. J'ai mis un terre rouge, ça ne marche pas. Et enlève tout ce terre rouge-là. Jésus a déjà mis le terre rouge par ses pieds percés. Tu es bloqué à cause de Dieu. Le miracle existe. Crois au miracle de Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, regarde, je donne tout. Quand Abraham dit, tiens, je donne tout, partout où Abraham partait, il était béni. Isaac s'élève dans la région, il était parti pour planter là. Tout ce récolte était réussi. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Jacob se déplace, tout était béni là-bas. Ne dis pas, j'ai rien à droite, rien. Que Dieu dit, on est, n'a pas de crédit. Je dis, c'est pas grave. Il ne faut pas qu'il y ait crédit là-bas, ce n'est pas ton problème. Mais au moins, le crédit a été payé par le sang de Jésus. Vous êtes d'accord? Accomplissez tout dans le nom de Jésus. Le chiffre 9, c'est le chiffre de, d'accouchement, c'est-à-dire de délivrance. Après cette prière-là, que tout ce qui est ton cœur-là, tu es enceinte de tout. C'est-à-dire, tu viens faire ça, ça va marcher. Tu viens faire ça, tu as tellement d'enfants, tu vas accoucher des triplés, quadriplés, c'est 9 triplés. Tout est dans ton ventre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont coincées. Tu dis, mais comment ça va se passer? Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien du tout, mais ce n'est pas grave. Dieu dit même à ses serviteurs, il dit, allez-y, ne prenez ni bouche, ni rien, je suis avec vous. Il dit, allez-y seulement. Quand vous allez arriver, je vais susciter des gens pour vous. Quand tu crois dans le Seigneur Jésus, réellement dans le Seigneur Jésus, Dieu va toujours susciter des gens pour toi. Rien ne peut t'arriver. Nous sommes tous d'accord. Que le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Jésus, suscite tout pour toi dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. En quittant ces lieux-là, ce n'est pas une partie qui est bénie, ce n'est pas deux parties qui sont bénies, ce n'est pas tel domaine qui est béni, ce n'est pas tel domaine qui est béni, mais c'est tout. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Le Seigneur bénisse la bénédiction du Seigneur.